Peggy 18. Bienvenue pour faire un deuxième concert des aventures de Mélissa. Et en prenant l'occasion, je vais donc commencer à faire un petit peu de montage, je vais faire un petit peu de personnage. Alors, du coup, les aventures de Mélissa, les personnages, entre guillemets, voilà. Je vais faire un petit peu les pas de coupe, hein, voilà. Du coup, je mets quelques doublages pour faire le genre de doublé. Pour en dire par exemple et dis donc quoi par exemple je crois que toi et entre guillemets voilà je t'avoue que le statut de Patrima pour les gens qui ça donc je suis voilà pas la vie est un peu des sentiments je vais mettre voilà du coup je vais mettre en Patrima voilà. Vous voyez un peu ma table graphique là, qui m'a dit parce que tout à l'heure, la personnage a déjà été décidée. Donc, c'était une antagoniste de l'ancienne époque qui a 4 ans, elle est déjà morte. Du coup, pour représenter également, je vais vous donner un peu des antagonistes qui sera présenté à partir du 5 juillet. Et comme prévu, voilà. Donc, du coup, si je n'ai pas à faire pour vous les visuels parce que. C'est assez différent parce que du coup à l'ancienne époque, c'est pas différent. Vous n'avez pas remarqué le nom qui est personnel, par exemple, voilà. Voilà, du coup je vais. C'est-à-dire par exemple dans Photoshop, ce sera pas différent, mais je mettrai le plagiste. Le plagiste, voilà. Le mec de plagiste, voilà. Je mets quelques actrices, voilà, parce que du coup je mets quelques actrices, voilà. Là c'est difficile de dire, parce que avant de commencer je vais mettre mon nom. Je vais mettre bien ses amis. Et c'est un peu différent, je mets des personnages. Là je vais mettre des voix, parce que je vais mettre des voix que j'ai envie d'oublier, mais sinon j'ai téléchargé, j'ai plein d'exercices. Et voilà, quand par exemple la fiche de la mèche, je crée quelques photophiles. Donc du coup, je vais dire, donc il a mal un peu dessiné, mais il est quand même gêné un peu. Et sur des montages, j'en ai aussi bien dit, et ça m'a marqué. L'idée. Ouais, c'est moi qui l'a marqué ce doublage, parce que moi, c'est moi, j'ai quand même envie d'oublier le personnage. Et voilà, comme dans la scène de Mario Party, pas sentimental. Donc j'ai créé quelques personnages, voilà. Donc du coup, parce que ces personnages, à peu près, sur quoi je vais faire des montages de personnages pour les aventures de Mélissa. Il n'a pas été. C'est chiant, parce que du coup, à la fin, là, à l'ancienne époque, ce ne sera pas difficile de créer. Mais j'ai quand même créé, par exemple, je vais créer les parties bien. C'est quelques wallpapers. Et dans wallpaper, du coup, c'est pas la fin, voilà.
connaissais pas du tout, bah voilà, j'ai noté deux actrices. J'ai envie d'oublier. Bon, du coup, je vais remettre à la fin, voilà. Je peux faire un deuxième personnage avec des personnages. Et comment dire, par exemple, ouais, bien sûr. Bon, les vidéos live éditeurs, parce qu'ils vont pas faire ça plus tard. Bon, voilà la fin. Bon, on peut ça continuer ça plus tard. Donc, par exemple, je vais continuer ça dans Photofiltre, entre guillemets. Ce n'est pas une vie, par exemple, avec l'actrice Elle Fanny, elle va comparer sa vie. Aujourd'hui, j'ai oublié, par exemple, je vais mettre l'actrice Elle Fanny. Par exemple, je vais marquer, son fond. Je vais marquer Jessica Rodriguez. Bah, je vais mettre Elle Fanny. Je vais mettre Elle Fanny, voilà. Voilà l'actrice Elle Fanny, voilà. Et elle n'a pas été différenciée parce que du coup, par exemple, Jessica, elle ne va pas me lancer des fois, mais il m'a déçu parce que, comme le fait que Jessica Rodriguez m'a déçu, je n'ai certainement été un avec elle. Du coup, à la fin, c'est. C'est pas juste agaçant parce que du coup elle m'a je vais tâcher la photo et je vais mettre ça en dessous en face. C'est pas juste sur l'émission parce que pour les questions à faire bien, elle va pas me lâcher. Du coup à la fin elle m'a dit déçu. Du coup je vais mettre en pied. Même si ma tante elle m'a pas lâché. Hein. Du coup bah, elle m'a dit déçu. Parce que du coup, bah, si j'étais pas juste pour lancer, bah, on peut dire, bah, rien dire, je vais pris ma crise Elle Fanny, voilà, il n'y a pas de défi, c'est la crise Elle Fanny, voilà, donc du coup, bah, voilà, il n'y a pas de plagiat, hein. Bon du coup j'adore une vidéo de refreshing de Mountain Light. Bon voilà, j'ai trouvé la crise Elle Fanny. Bah bon, sur quoi dire, bah je ferai quand même la vidéo sur quoi que je vais mettre. Je veux dire, c'est du plagiat. Hein. Ah, sur quoi je mets quelques pas plus tard, voilà. Je vais créer quelques pas plus tard, voilà du coup. Il m'a plus qu'à dernier parce que pas pour la crise. Et il y en a des nouveaux, par exemple, si je pas se sentir agressé, bah du coup bah, je vais faire un dernier personnage, parce qu'on n'a pas de personnage principaux. J'ai mis un peu de militaire. Et après, et par exemple, une fois que j'ai mis ça, il m'a je suis le fait, et moi, je suis pas mes plus années, Jessica n'a jamais vu ses armées. Ça c'est des projets à continuer pour rapprocher les deux jumelles. Du coup, le message est bien présent. Je vais quand même faire quelques comme je suis par exemple. Je vais créer quand même parce que j'ai la chance d'être blessé. Ça. Et j'en peux dire par exemple, elle va être guidée par Kim Maher, la guideuse. Par Kim Maher, parce que j'adore cette actrice adolescente. Du coup, ma guideuse, parce que. Du coup, Mélissa, j'adore. J'adore Mélissa. Vous m'avez vu. Je suis le père parce que du coup bah, elle m'a énormément déçu parce que aussi j'adore que tu m'aères parce que je l'adore tellement. Bon voilà, c'est la collection qui est un fromage. Voilà. Et donc par exemple, avec tu m'aères, la crise que j'en
c'était celle-là que j'adore. Mélissa. Donc voilà, MCS, Mélissa, Clarissa, Figali. Voilà, du coup, bah, comme vous l'avez vu, donc, par exemple, pour la journée, bah, parce que Mélissa, Clarissa, Figali, bah, c'était également la fille de moi et Jessica Rodriguez. Mais, comme par exemple, je vous dis, par exemple, bah, elle a également créé, parce que Mélissa, elle a déjà été née, parce que la Mélissa, bah, elle a déjà directement la petite fille, comme elle est déjà née. D'abord en version enfant, d'abord en version bébé, et la deuxième, elle a un an. Mais comme du coup, dans la prochaine vidéo, parce que cette série va débuter en juillet 2019, et va bientôt commencer à passer, hein. Ça c'est imaginé. Des idées, voilà. Vous avez entendu Mélissa, j'ai marqué 103 en taille de prix. Donc, du coup, vous avez entendu Mélissa. C'était juste pour chercher quelques personnages. Bah, donc, si vous voulez, par exemple, voir sur les réseaux sociaux, parce que du coup, elle m'a vu ici. Parce que du coup, si vous voulez voir un peu, je vais chercher elle qui est ici. Qui jouera le rôle de Rosalie. Voilà. Donc elle se défie, j'ai cherché la photo pour les gens. Alors j'ai doublé, voilà. Elle se défie. Oh voilà, c'est pour les gens doublés. Elle se défie, qui joue le rôle de Henri Thunderman. Et du coup, je vais. Je ne savais pas parce que je dis Rémi, je ne pourrais pas y jouer. Mais quand je dis bien mais, l'image est en train de changer parce qu'il est du temps. Mais il a un peu bugué parce qu'il a déjà ramené, parce que du coup, sur quoi je vais vous dire avec Alison Vicky, l'actrice qui joue le rôle dans Laura Thunderman, dans la série Thunderman, vous savez quoi. Donc du coup, je vais faire quelques infos parce que du coup, il m'a déçu. Donc par exemple, Alison Vicky, sur quoi je vais faire. Il a déjà, par exemple, je vais prendre une série parce que la série c'est mon actrice préférée. J'adore tellement. Donc, du coup, j'adore. Alors, je vais jouer l'actrice. Donc, l'actrice, je vais prendre Alison Ricky qui joue le rôle de Rosalie. Je vais chercher Alison Ricky parce que je vais enregistrer dans les porte-documents, voilà. Du coup, elle n'a pas été déçue sur la famille Segani. Et dernier, l'actrice, on va trouver ça sur les réseaux sociaux. Parce que sur Facebook, elle ne m'a pas été déçue. Voilà, comme par exemple. Alors, sur quoi je vais dire, je vais sourire parce que du coup, elle ne m'a pas été déçue. Hein. Du coup, je vais chercher un ici de fille. Je vais chercher. Pardon. Du coup, je vais passer une chine, l'actrice que j'ai envie de voir. Bon, par exemple, l'actrice américaine qui n'en veut pas, qui va jouer le rôle de Marie-Jay, c'est elle. Mais le prénom ne sera pas encore prévu, c'est un personnage là, il m'a gravement déçu. Donc, sur quoi je vais faire, je ne sais pas parce que c'est un match. Et de décommander la vie, la décompaction, après je vais faire une partie. Donc du coup, je vais chercher un peu la photo parce qu'elle m'a pas été utilisée. Hein. C'est quand même dégueulasse. Hein. L'actrice Inichi, là. L'actrice Inichi. L'actrice Inichi, bah, je l'adore. Alors, le modèle Minichi, surtout cette actrice, elle m'a pas trompé. Hein. Sur ce quoi je vais donc faire une vidéo, par exemple, le modèle de Minichi, donc, il devrait venir. Je fais que photo. Je prendrai bien cette photo parce que j'aime bien cette photo. Hein. Je vais continuer. Donc voilà. Donc il doit être inscrit.
suivre, voilà. Je vais juste faire une bande annonce de la photo. Là, on va mettre une photo de ça. Et quand même, parce que du coup, bah, elle ne m'a pas tout déçu. Si tu veux, je vais faire quelques montages, parce que les montages font peur, bah, allez. Pourquoi je vais faire quelques montages? Je vais faire Alice et Vicky. Je vais mettre Rosalie, alors, Rosalie. Angelina, 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 Angelina. Et aussi, du coup, on peut chier un deuxième pour un troisième prénom. Je vais mettre Angelina, c'est bien. Angelina, Angelina. Et je vais mettre Alice et Vicky. Alice et Vicky, voilà. Donc la question du film, parce que j'adore cette actrice, on n'a pas cette race devant tout le monde. Bon voilà, et notre actrice va double faire par exemple une vacance de chiant, parce que cette actrice là ne va pas montrer un prof de aller un peu. Ouais, totalement, si je ne voulais pas faire une vidéo parce que le vidéo va à l'issonnerie qui me fait croire que je suis chiant. Je prendrai bien Rosalie quand Rosalie n'est pas encore née, mais je l'ai quand même parce que j'ai pris en version raccourcie. J'ai pris Rosalie et moi je suis cherché la photo de Alison Ricky. Allez, comment dire comment dire. Là, je ne sais pas quoi d'autre dire, par exemple, après je vais donc reconnaître la musique parce que j'adore cette musique. Non, pas si, mais c'est que des conneries. J'ai acheté la photo. Après, j'adore cette photo de Alison Ricky, voilà. J'adore aussi la musique. Là j'adore l'actrice Alice Vicky. Je vous la dis, voilà. Voilà. Voilà, je vais mettre 4. On est de la saison 4. Et donc pour Jessica va attendre des jumelles. Elle sera pas une bonne exemple. Bah comment dire, c'est quoi je vais faire. Il m'en suit la cinquième. Et maintenant il me manque la cinquième aussi. Je vais marquer Mary Jane. Moi je vais marquer Mary Jane. Mary Jane. Et son deuxième prénom, je vais prénom tourner sur mon vidéo. Après je vais chercher des photos. Après je vais chercher et voir par exemple que je vais appeler Mary Jane. Et Mary Jane, Brenda Segali. Voilà, et puis il y a marqué, on va essayer de bloquer une fille. Voilà, ça paraît tout fini dans mon niveau, voilà. Voilà, j'adore marquer Marie-Jane. Et par exemple, et par exemple, la page du plagiat. C'est pas du tout simple, mais on fait comme la vidéo, donc on déplace juste ça. J'ai marqué quelques actrices, parce que par exemple là, je faut que j'aille faire quand même ça des vidéos, parce que Marie-Jane, voilà ma fille. J'ai appelé ma fille, parce que Marie-Jane. C'est Marie-Jane, voilà. Marie-Jane, je vais chercher la photo de Marie-Jane. Bon, du coup, j'ai recommencé un peu avec cette vidéo. Du coup, bah, quand vous avez quoi au présent, juste pour commencer, parce que là, c'est pas embarrassant. Mais je vais marquer le scanner document parce que la force, je crois que je vais faire jouer. Si vous voulez bien, je vous regarde un peu l'esprit de l'actrice Marie-Jane. Bah, par exemple là, j'adore cette photo là, je crois qu'on va se zoomer la photo. Moi je vais zoomer un peu la photo.
l'actrice, voilà. Donc si vous avez pensé de la photo, vous avez donc pas pensé, bah, je ne pense pas. Je vais en mettre un petit peu la... Je vais mettre la Fantasy Prime. La Prime, voilà. Donc du coup, bah, juste pour faire quelques montages, bah, parce qu'à la fin, ça ne sera pas possible. Bah, du coup, à la fin, si j'ai... Alors, si j'ai pensé tout mon montage à faire dans Photoshop, bah, c'est pas différent, hein. Mais ça c'est logique, hein. Donc du coup avec l'actrice, donc bientôt cette vidéo, elle vous va bien, à bientôt. Donc après le jour de ce doublage, nous allons intervenir avec moi. Ça serait également possible de le faire, mais entre guillemets, je ferai les voix en doublage en français et en anglais. Et sauf du coup, bah je peux même doubler mon personnage que j'ai doublé, mais avant ça. C'est parti. At Brund LaMouche, how do you choose your roles? I think I just go off my instinct. I'm very instinctual. You know, I try to answer the question like, does this movie need to be made? Do people want to see this film? The character has to matter a lot, but the story I think matters the most. And of course, the director, the actors that are involved in it as well. But yeah, it's pretty much an instinct. I was really interested in it because it's a very woman empowering movie, other than the fact that everything that I've worked on has been in this century. So it was very cool that I got to also work at home because I'm from Louisiana. So it's a very cool project that's period time, and also I'm close to home. Hi, I'm Lily Chi, and I'm here for Famous Birthday's First Fridays. Okay, so my first modeling gig was when I was 9 years old and I had just signed with my agency. I went to a little audition thing and it was actually for Nike. And it was so much fun and that was definitely my favorite job because I got to jump around and be super active. And it was also really cool to like see myself like in the store. But yeah.